Nous sommes dans la haute couture de l'élevage chalossé. Éric Lafenêtre perpétue des méthodes aujourd'hui exceptionnelles. Ici, il faut au moins 16 à 17 semaines avant que le canard soit gavé. Au final, un produit rare, entièrement transformé à la ferme, et coulé en vente directe à un prix totalement maîtrisé. La démarche du consommateur se fait toute seule, quoi. Il vient de plus en plus à notre rencontre pour essayer de pour bien comprendre comment tout est élevé, comment tout est gavé. Et non, c'est fait toute une histoire de passion, de partage, et le prix n'intervient pas, quoi, franchement. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Mais non, on peut aujourd'hui vendre à un prix qui nous permet de faire un produit de qualité, quoi. Vente à la ferme, marché et maintenant Internet. Les produits d'Éric Lafenêtre sont disponibles ponctuellement sur un site commun avec d'autres producteurs. Le principe, un système de vente privée limité par la quantité disponible. Canard, gâteau basque, miel, bœuf ou huître, une quarantaine ont été rigoureusement sélectionnés. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de ventes par semaine qui correspondent aux producteurs qui sont référencés par la ferme. Vous les mettez dans votre panier et vous choisissez ensuite le mode de livraison qui vous convient, soit Colissimo, soit Chronopost, et on vous livre chez vous un colis frais que vous recevez le jeudi ou le vendredi. Quand on voit les problématiques en plus du milieu sur comment je vais distribuer mes produits, comment je vais vendre au juste prix, comment je vais vendre un produit sain et un produit équitable, mais on s'est dit on va tenter l'aventure. Donc pour ne pas être tout seul, pour recréer le marché mais du 21e siècle, et bien on est allé chercher d'autres producteurs. L'idée de Géraldine et Vincent a germé après un coup de foudre pour cet aérial sorti d'une photo du 19e. Avec Patrick Séguin, ils y ont installé un élevage de volailles traditionnelles, dont cette poule noire landaise en voie de disparition. Pour chacun des producteurs du site, une même philosophie, prendre le temps au temps. On n'a rien inventé. Ce que je fais moi ici, c'est ce que faisaient mes grands-parents et mes parents. Et puis voilà, ni plus ni moins, c'est d'élever une volaille naturellement, avec du bon maïs, avec des bons produits. En quelques mois d'existence, le site compte déjà près de 8000 abonnés.